La vie comme on vit avec nos différences, alors venez, c'est juste une évidence. Action. Pour Camille et les autres, c'est le jour J, l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Accompagnés par un compositeur professionnel, les enfants de cet institut d'éducation motrice ont écrit une chanson qu'ils tournent désormais en clip. Un simple projet ludique, loin de là. Ici, certains présentent des troubles du langage, d'autres de la vue ou de l'audition. Le but, c'était de les mobiliser pour leur apprendre un mode commun de communication, le macathon. Le macathon, c'est un programme d'aide à la communication et au langage, donc, qui s'appuie sur la parole, les signes et les pictogrammes. Et à travers ce clip, ils étaient plus motivés pour apprendre, c'est ça ? Bon, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils entraient en apprentissage. Ils ont fait naturellement, c'est une chorégraphie quelque part. Hein, donc voilà. Et le plaisir était tellement là qu'ils ont beaucoup travaillé. Ce projet pédagogique a donc permis de créer un lien durable entre ces jeunes aux divers handicaps. Mais à l'intérêt collectif, s'est ajouté un vrai épanouissement personnel. Je ne savais pas vraiment si j'étais capable de faire ça, mais c'est génial. J'ai pensé que ça allait être très très compliqué pour moi, mais non. Et ça. Qu'est-ce que tu as aimé, Myriam ? J'aime chanter avec mes amis. Ça permet aux autres des pays ou de la France qui ne connaissent pas les handicapés, qui découvrent ce que c'est les handicapés. Objectif possible, car le clip sera diffusé sur les réseaux sociaux dès le 1er juin. Et oui, ça peut.